dit qu'il y a un homme qui était déjà mort et il était dans le tombeau. Il avait 4 jours dans le tombeau. Et quel que soit le temps que tu as fait dans les difficultés, lorsque ce nom-là commence à être prononcé dans ta vie, tu commences à sortir des ténèbres, tu commences à sortir de la honte. Le Seigneur n'est pas venu pour te condamner. Tu es en train de te dire, je suis jeune, mais je veux partir à l'église. Je veux que je suis jeune, mais est-ce que Dieu va m'accepter tel que je suis? Je suis jeune, je vis dans la drogue. Je suis jeune, je vis dans l'impudicité. Mais est-ce que le Seigneur, je dis, va m'accepter tel que je suis? Laisse-moi te dire qu'il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que tes parents. Tes parents te disent que tu n'es pas une bonne personne. Et même parfois tes proches et tes frères te rejettent. Même parfois tes soeurs te disent que tu n'es pas une personne importante. Mais laisse-moi te dire, il y a une seule personne qui connaît ta valeur. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et si je parle de lui aujourd'hui, je sais d'où il m'a tiré. Si tu entends Jésus et que depuis des siècles, ce même nom continue de résonner, c'est parce que ce nom est merveilleux, ce nom est puissant. Je ne sais pas ce que tu attends depuis longtemps, mais si ce soir tu entends ce nom, j'aimerais que tu puisses prononcer sur ce nom dans ton cœur, afin que ce nom puisse agir en ta faveur. Est-ce que tu peux lever les mains comme ça pour bénir le nom de Jésus-Christ, celui qui règne au siècle des siècles, celui qui n'a pas son semblable, celui qui est sorti vivant du tombeau. Hey! Il est le seul vrai Dieu, il n'y en a point d'autre. Alléluia. Bien-aimés, c'est tellement merveilleux d'adorer ce Dieu. La Bible dit que les anges passent leur journée, ils passent leur temps à adorer, à célébrer Dieu. C'est parce qu'en réalité, dans l'adoration et dans la louange de Dieu, il y a une joie comme il n'y en a aucune autre ailleurs. C'est pourquoi les anges, ils chantent Alléluia. Et tu sais pourquoi les anges chantent? Ils chantent parce que Jésus a triomphé pour toi. Gloire à Jésus. Les anges dans le ciel chantent tous Alléluia. Chantent tous Alléluia. Jéhovah a triomphé sur la maladie. Les vrais adorateurs, est-ce qu'ils sont là ce soir? Chantent tous comment? Alléluia. Je pense que quelqu'un allait crier plus fort que son voisin. Chante. Et pourquoi? Parce que Jéhovah a triomphé. Oh oui, les anges dans le ciel chantent tous Alléluia. Chantent tous Alléluia. Jéhovah a triomphé. Dis à ton frère, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Ave. Ce soir, le Seigneur a permis que tu sois là. C'est parce qu'il a un message merveilleux pour toi. C'est parce qu'il t'aime. Dis à ton voisin, c'est parce qu'il t'aime. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus, en réalité, il est Dieu. Dis à ton voisin, il est Dieu. Jésus est Dieu. Et il est venu sous la forme d'un homme.
Voici son histoire. Il est Dieu et il est venu sous la forme d'un homme. Il est venu parce qu'il t'aimait. Il est venu parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Il a pris une apparence que tout le monde peut voir. Parce que pendant qu'il est Dieu, il est esprit, il est comme le vent, tu ne pouvais pas le voir. C'est pourquoi il a pris une apparence afin de permettre à tous les hommes de le voir. Et l'histoire raconte que Jésus est vraiment venu sur la terre. C'est pourquoi je veux dire à ceux qui pensent encore que Jésus n'existe pas, qu'ils se trompent. Et qu'ils feraient mieux de prier pour que Jésus se révèle à eux parce que Jésus est réel. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est réel. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est venu. Il est venu parce qu'il voulait sauver les hommes. Il est venu parce qu'il voulait se montrer tel qu'il est. Parce que souvent les hommes te disent qu'ils t'aiment, mais ils ne te montrent pas qu'ils sont en réalité. Ils cachent une partie d'eux et ils te montrent une autre partie qui va t'attirer. Et avec cette partie, ils vont pouvoir te tromper, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent avec toi. Mais ils ne pourront pas au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu nous a tellement aimés, il est venu tel qu'il est. Il s'est présenté dans sa nature de Dieu, mais sous la forme d'un homme. Et quand il est venu, il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas caché, il s'est révélé à tous les hommes, il s'est révélé à tous les peuples. Il a commencé à parler, il a commencé à prêcher pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est que ceux qui étaient malades doivent maintenant être guéris. Parce que la maladie n'a pas été créée pour l'homme. Mais la maladie est un obstacle lorsque l'homme se loigne de Dieu. Mais en réalité, Dieu ne veut pas que tu te loignes de lui. C'est pourquoi il vient à toi. Parce que quand tu vas regarder à lui, la maladie qui avait le pouvoir sur toi ne pourra plus t'influencer. Amen. C'est pourquoi lorsqu'il est venu, comme le thème de ce soir l'indique, il a fait un miracle, il a fait un premier miracle. Il avait changé l'eau en vin. Il avait changé ce qui n'avait pas de goût en quelque chose qui avait un goût agréable. Et c'est de la même manière qu'il peut changer toutes choses dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Je ne sais pas ce que tu as voulu changer dans ta vie de négatif. Mais ce soir, parce que tu entends cette parole, si tu n'avais pas pu changer les choses par tes efforts, par tes moyens, par tes relations, par tes contacts, Jésus vient et il change ton histoire. Il y a des choses que tu as voulu changer par tes efforts. Tu as voulu changer ce que les gens pensaient de toi. Tu as voulu changer le cœur des gens à ton égard. Tu as voulu changer la pensée que les gens avaient de toi. Mais tu ne peux pas changer le cœur des gens. Parce que la Bible dit, il y a un seul qui peut incliner le cœur des gens. Des hommes et des femmes, il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pourquoi lorsque tu lui confies ta vie, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Il dit, il a donné sa vie pour que ceux qui croient en lui, la seule chose que tu dois faire, c'est de croire. Dis avec moi, je crois. Et parce que tu crois, tu verras l'eau changer en vin dans ta vie. Ce soir, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit à fort Amen. Je pensais que tu allais acclamer parce que tu croyais en cette parole. Je veux juste t'exhorter en quelques minutes. Parce que Dieu est merveilleux. Il a changé l'eau en vin. Et cette eau, il a changé en vin. En réalité, il pouvait faire beaucoup de miracles pour se présenter. La Bible dit quoi? C'était son quoi? Premier miracle. Il pouvait faire beaucoup de miracles. Il pouvait venir guérir. Parce qu'en réalité, il guérit. Il sauve, il ressuscite même. Mais il est venu et il a fait un premier miracle. Il était de changer l'eau en vin. Parce qu'en réalité, il voulait apporter un message. Le premier message, d'abord, c'est que tu dois savoir que Dieu est capable de changer ce qui n'avait pas de goût en un goût agréable. Nous connaissons tous cette histoire. Amen. Il y avait un mariage, n'est-ce pas? Qui connaît l'histoire? Amen. Où Jésus a changé l'eau en vin. Si tu connais l'histoire, fais comme ça. Il y avait un mariage et Jésus s'est rendu au mariage. La Bible dit qu'il n'y avait plus de vin. Parce qu'en réalité, le vin était ce qui faisait que les gens étaient contents dans les mariages. Mais il n'avait plus de vin, donc il n'avait plus ce qui pouvait leur donner d'être en joie. C'est comme quelqu'un qui n'a plus ses amis, il n'a plus son argent, il n'a plus ce qui pouvait lui permettre d'être en joie, d'être content, d'être à l'aise. Et il n'avait plus ce vin.
Et il y a quelque chose d'abord que Jésus a fait, il a changé l'eau en vin. On va revenir dessus, mais la Bible dit que lorsqu'il a apporté l'eau, lorsqu'il a apporté l'eau qui était changée en vin, quelqu'un a dit, mais pourquoi tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin, n'est-ce pas? En réalité, il n'avait pas gardé le bon vin parce que ce vin-là n'était pas dans le programme. Il avait, les gens avaient vraiment donné le bon vin et le vin était fini. Mais lorsque Jésus avait donné son vin, les gens se sont rendus compte que le bon vin que les hommes disaient que c'était bon là, en réalité, devant le vin de Jésus, ce n'était pas bon. Parce qu'il y a des choses que les gens vont te dire, que le monde va te proposer. Le monde va te dire que c'est le bon vin. Le monde va te dire que ce sont des choses qui vont réjouir ton cœur. Le diable va te proposer de l'argent. Mais au début, tu vas penser que c'est le bon vin. Mais lorsque Jésus fait son entrée dans ta vie, tu te rends compte que ce que le monde t'avait proposé n'est rien face à ce que Jésus te propose. Parce que Jésus te propose une richesse qui ne périt pas. Jésus te propose un salut qui ne périt pas. Jésus te propose une guérison, une santé qui ne finit pas. Jésus te propose une richesse, une joie. Lorsque tu es dans sa joie, même les problèmes n'ont plus d'importance. Même les soucis n'ont plus d'importance. Même les problèmes d'argent disparaissent. Il te propose une joie. Lorsque tu as cette joie, même tes ennemis se demandent, mais qu'est-ce que cette femme a? On ne comprend pas. Hier, elle était malade, mais on constate qu'elle commence à sourire. La maladie qu'elle ressentait, où est passée la maladie? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus t'a proposé une guérison qui te fait sourire. Un miracle qui a fait sortir ton cœur de la maladie et fait rentrer ton cœur dans une joie infinie. Est-ce que je parle de quelqu'un ce soir? Alléluia! Il y a beaucoup de messages dans ce premier miracle. Regarde.